Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai fait la critique de Light Years écrite par Kass Morgan. En gros, c'est l'histoire de 4 jeunes qui viennent chacune d'une planète différente, mais qui, en raison de diverses circonstances, se retrouvent tous à l'Académie, qui est en gros l'école de l'armée de cette galaxie-là. Moi, personnellement, je suis vraiment une grande fan de The 100, mais principalement la série télé. Moins les livres. Les livres, je les avais aimés, ils étaient bons, mais j'ai toujours trouvé qu'il manquait le petit quelque chose pour que je sois vraiment amoureuse de ces livres-là. Mais finalement, j'ai vraiment été agréablement surprise parce que le livre a vraiment été pour moi un coup de cœur. Ça paraît que dans ce tome-ci, l'auteur maîtrise beaucoup mieux son style d'écriture et malgré quelques ressemblances avec les sangs, c'était un livre vraiment palpitant et tous les personnages étaient intéressants à leur manière. La différence avec les autres livres de l'auteur, c'est que dans Light Years, il y avait vraiment aucun chapitre que j'avais envie de sauter parce que les personnages étaient moins intéressants, parce que au contraire, chaque personnage m'intéressait et j'ai vraiment été embarquée dans cet univers de A à Z. En plus, la fin était vraiment intense, donc c'est sûr que j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte parce que je veux vraiment lire la suite le plus rapidement possible. Honnêtement, la seule chose que j'ai à redire, et qui est quand même, je pense, un bon détail, c'est que j'ai jamais été réellement surprise. Excepté évidemment à la fin, qui finit vraiment sur un gros suspense et qui m'a vraiment donné envie de lire le tome 2 le plus rapidement possible. Mais tout le reste du roman, je me doutais tout le temps de ce qui allait suivre tout de suite après. Donc oui, c'est sûr que de toujours s'attendre à la suite, c'est décevant, mais c'était quand même tellement bon et intéressant que honnêtement, c'était vraiment pas si grave que ça. Pour la note, c'est sûr que le livre n'était pas parfait, il n'y a aucun livre qui l'est, mais pour moi, ça a quand même été un coup de cœur. Et donc, je vais lui donner la même note que pour Elisa et ses monstres et je vais lui donner la note de 10 sur 10. Bon, maintenant, est-ce que je vais faire d'autres vidéos? Pour l'instant, j'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que je ferai tout simplement d'autres critiques? Est-ce que je parlerai de plein de sujets? Je le sais pas pour l'instant, mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, ça s'arrête là. Et bon, on verra ce que l'avenir nous réserve! Aussi, un gros merci à Collection R Canada qui m'a permis de vivre cette aventure et qui m'a surtout envoyé des livres gratuitement pendant un an. Je veux dire, c'est quand même génial. Bon, eh bien, de toute évidence, c'est ce qui met fin à mes critiques pour les lecteurs R Canada. Merci d'avoir regardé mes vidéos, merci de m'avoir suivi et peut-être à la prochaine. Bye!